Le voilà. Abattez-le. Et récupérez la relique. Travail, gardien. Et vous aussi, petite sœur. Vous avez appris ça dans un de vos livres? Pas du tout. Ah, c'est si excitant. Aido, qu'est-ce que tu fais? J'aide le vagabond et le gardien. Nous avons retrouvé une autre relique avant que Calvigris ne s'en empare. Nous avons besoin de ton aide pour étudier les reliques, pas pour les retrouver. Si je peux prêter assistance, je me dois de le faire. Parlons en privé. Très bien. Non, je me mêle pas de ça. Mais, quoi qu'il en soit, bien joué. Mettons ce trésor de côté. Strax, mon vieil ami, je voudrais vous parler de quelque chose. Les soucis de mon peuple me concernent. Je vous écoute. J'espérais que vous diriez ça. Il paraît que votre nouvel équipage a rapporté de sympathiques babioles venues de rivages anciens. Vous me réclamez une part? Croyez donc si mesquin. Nous sommes dans le même camp et regardons le même horizon. Ces reliques sont revenues parce que leur pouvoir nous appartient. Nous pourrions tout avoir cette fois,
Il n'y a qu'à se servir. Faites attention à vos paroles. Quoi ? Le gardien ? Un complice fiable. Non. Je ne pensais pas que vous oseriez tenir de tels propos sous mon nez. Allons, Mishrax. Je vous connais. Pensez à votre maison. Pensez à votre fille. Nous pourrions avoir tout ce que veut Vigris. Ne serait-ce pas une belle revanche, hein ? Vous allez laisser cette attitude derrière vous. Ne parlez pas de ça ici, sous la grande machine. Ou je vous réduirai au silence. Ce ne sera pas nécessaire. Vous m'avez bien compris, Arkis. J'ai compris. Ne me reparlez plus jamais de ça. Sortez. Nous fermons. Hey, salut gardien. Désolé, je me suis un peu laissé emporter par toutes ces aventures. Mon petit oiseau n'est plus si petit, on dirait. Qu'est-ce qu'un simple opérateur comme moi peut faire pour le héros Black. De l'avant-garde? Votre Luc. Ça va et toi ? Voulez-vous faire affaire ? L'après-midi, là. Du titan. Et super la stat. Stat d'ouf. Bah, à part que c'est de la merde et que c'est du titan. Ah ouais, le troll, ouais, bah ouais, c'est de la dobe. En même temps, venant de lui, c'est un gros radin. J'apprécie les visites. Salutations, mon intelligent ami. En doré ? Le coin en doré ? C'est que vous avez rapporté. Ouais, donc ça c'est fini. Ce sera pour la semaine prochaine. C'est le gold en septembre. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Mes éclaireurs m'ont signalé la présence d'un autre catch abattu. Oh. Envoyez ouais, l'équipe de sauvetage. J'ai pas regardé ça. Coute son perso en or. Vas-y, qu'est-ce qu'on a comme couleur dorée? Terrible. Ouais, c'est vrai qu'il y a Calus. Je pense que les éveillés trouveront que mes. Encore ma couleur de Calus dans ce bordel. Les meilleurs. Celle-ci. Ouf. Ouais, celle-ci. Les éclaireurs m'ont signalé la présence d'un autre catch abattu. Envoyez l'équipe de sauvetage. Mais il est pas beau. Mais bon, vas-y, on va le faire.
Là, il faut encore parler à son chef. Non, c'est tout, il a tout dit. Allez, on va aller faire de l'assaut vite fait. Trois assauts. En solaire. Solaire, solaire, c'est parti. Ah, ah bah moi j'ai enfin fini ma semaine de backup. Ah, enfin tranquille. Ah, j'espère qu'il revient la semaine prochaine. Il y a plein de monde qui me dit qu'il va pas revenir, mais j'espère, parce que s'il m'enlève pas mon assignation plus faire le chef, je peux te dire que j'en avais plein le cul là. Il a fallu courir partout. Tu crois qu'il reviendra pas? Il y en a plusieurs qui disent ça, mais je sais pas pourquoi. Il y a encore 3 ans à tirer. Ouais, s'il revient pas, il faut qu'il mette Daniel de journée. Vous l'avez achevé. C'est vrai que le mec il revient de vacances en plus. 9 jours après, il se m'en arrive. Le temple d'Oryx est protégé par l'un des guerriers les plus puissants de Savatoun. Bon, ça je le montre après en jouant cryo. Je vais reprendre. Vous pourriez vous servir comme ça. La coque de Sagira. Mais il faut traverser de vieux canaux pour y accéder. Donc il nous faut un bateau. Et ça, je m'en occupe. Laissez les gars avancer, je vais regarder pour diminuer un peu la taille de la webcam. Il est un peu trop gros le bordel. Là ton Twitch. Merci Igon. En plus je suis pas loin à chaque fois qu'il... mais à chaque fois que j'en ai un qui rajoute, on dirait qu'il y en a un qui se bat. Il fait exprès, ils font exprès. Pas possible. Oh le putain, le cadre il est un peu grand. On va diminuer un peu le cadre. Yep. On s'en fout. Vidéo capture, ok. On va remettre ça à la bonne taille. Il va péter l'écran. Ouais, c'était un peu trop gros là. Je vais diminuer. Hop. Ça c'est bien. Je vais mettre le follow comme il faut. Hop. Voilà, regardez, pas trop gros. Là-bas. Ça devrait le faire. Ok, allez, on va jouer parce que les autres ils vont être deg.
Peut-être jungle. Lynch, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Aucune idée, je m'attendais pas à ça. C'est sûrement rien de grave. Vous pouvez nous débarrasser de cette barrière, pas vrai? C'est bien. Allez. Lynch, on est encore coincé. Sérieusement? Qu'est-ce que c'est le truc? La technologie de la ruche est vraiment trop archaïque. Attendez, donnez-moi une seconde. Dédié à Oryx, n'est-ce pas? Exact. Le frère de Savatun. Le roi des corrompus en personne. Faites bien attention. Il est arrivé quelque chose à cet endroit. Les ténèbres l'ont complètement envahi. Ils sont entretués des milliers de fois, mais elle a quand même construit un temple en son honneur. C'est assez ironique.
ça marche pas. Je crois que c'est bon, Finch. On y va. Faites attention. Le chevalier qui garde cet endroit est un ancien rival d'Oryx. Et il plaisante pas. Le choix de la part de Sabaton pour garder le temple d'Oryx. Ah merde. Oh le bâtard qui s'est barré avant.
sur la page de recrutement de Guy. 2 pour lier ton compte Epic Games sur le site. Et... Nurix. Non, en plus, Aurix, je l'ai pas. On le fait ce soir et j'ai oublié de m'inscrire. Donc ils y vont sans moi. J'ai oublié de m'inscrire et la team est full. Bon, je reste en route de course. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Je suis pas pressé. C'est moi qui crée l'event et j'ai oublié de m'inscrire. Foiré. T'es par où? Ça dégage. Bah t'es un foire, il manquerait plus que ça. En expédition, armure d'expédition. Non, c'est qu'ils ont pas encore lancé ces abrutis. Je croyais qu'ils avaient déjà entamé l'assaut. Voilà, mais sur place. Y a pas de pile. C'est juste verrouillé. Il a bugué ou quoi l'assaut là? Ouais bon, l'assaut a bug. C'est quoi? On se casse. Mais y a pas de boule, y a rien, c'est vide. Ça a juste merdé, c'est tout, ça a pas chargé. Y'a pas de boule, y'a pas un mob, y'a que dalle. Et merci pour le coup de la tablette, ça marche bien, c'est génial. Nous avons intercepté un puissant signal envoyé depuis la côte, près du cosmodrome. C'est Rasputin, l'esprit tutélaire. Je crois que c'est un signal de détresse. Ça serait vraiment dommage de le perdre. Il reste si peu d'admirateurs de ballet russe en ce monde. Ouais, le seul truc que je trouve qui manque, c'est de pouvoir rééditer le nom de la vidéo. Sinon, le reste, j'ai assez avec la base, quoi.
ne peut pas se permettre de revivre ce qu'on a subi avec Omnigul. Allez-y, évaluez la situation et aidez Rasputin. Si l'esprit tutélaire est en danger, la cité aussi est menacée. Désolé, il me faut encore un peu de temps. J'ai l'impression que Rasputin essaie de me tester. J'ai des codes d'accès. Allons-y. Je détecte des signaux de communication au fond du bunker. Le signal de détresse de Rasputin peut être intercepté par quiconque possède une radio. Si on ne l'éteint pas tout de suite, beaucoup d'autres ennemis vont viser. Система взлома нанесен урон. Запущено планированное контрмет. Plutôt en colère. Je crois même qu'il vient de... Ah ben oui, c'est bien ça. Il menace d'abattre des Warcraft sur nos têtes. Dépêchons-nous. Génial. Des flux cryoélectriques. Vous avez sûrement provoqué une surtension quelque part. Vous avez connu pire, gardien.
continuez. J'ai failli me faire une grillade. Toi, jeune. Ah, j'adore quand ça disparaît. Rasputin est inquiet. Ses assaillants essayent de contourner sa base de données pour prendre le contrôle des Warsat. Ça serait catastrophique. A été modifié pour pirater le système. Abattons-le. Trop concentré. Non, tranquille. Quoi, tu veux que je chante ou quoi? Merci en russe. Quand même. Il est hors de question que les déchus ne profitent de cette faille. Pas même pour empiller les décombres. J'envoie une escouade pour condamner la zone. Le rêve de la cité a survécu grâce à vous, gardiens, sans avoir à craindre que des armes nous attaquent depuis l'espace. Pourquoi pas quoi?
On connaît, je suis sûr. De quoi? Chanter? Ah ouais, bah y en a plein. Alors regarde, c'est quand avant-hier, Marston il vient sur le raid. Il a fait le boss en chantant. Lui, toute sa team d'ailleurs. Carlos? Il est encore là? Il s'appelle Fred Van Der Stiegel. La sécurité de Fed Safe a été compromise. Un groupe de déchus s'est posé sur Nessos et a attaqué un site d'impact secondaire de l'Exode Noir. C'est une alliée importante pour notre contrôle de ce planète. C'est un rocher, il faut l'aider. Capitaine, mes capteurs ne détectent pas ce qui se passe par là. Leurs armes ont laissé une piste de pulsation cryoélectrique. Pouvez-vous m'aider à les trouver? Je peux les sentir brouiller derrière mes yeux. Dégoûtant. Je viens de manger. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié où tu j'allais. J'avais zappé ça. La veuve réorganisée. Les déchus ont laissé une autre piste derrière eux. Nous les trouverons. Ça fait 3 balles. Ah, de bouche. Capitaine, pourrais-je vous parler en privé? Ça m'intéresse. De quoi s'agit-il? Désolé, capitaine, j'ai coupé la ligne. Mon unité centrale bourdonne. Je crois que les déchus réduisent mon vaisseau en pièces. Dégagez. Ils sont pas dessus ou quoi les abrutis?
La barrière est désactivée. Faites safe. Ces collecteurs utilisaient vos circuits comme armes cryoélectriques. Les déchus sont encore pires que le Kate 6. Kate n'est pas si mal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, par exemple, son spectre l'adore. Failsafe, nous n'avons aucun signe de déchus sabotant votre vaisseau. Ça grouille toujours. Ils font comme s'ils étaient chez eux. J'ai trouvé une autre série de pulsations cryoélectriques. Ne vous inquiétez pas, nous les trouvons. Raté. Et il faut quoi les deux autres abrutis? Vous m'entendez maintenant? Me revoilà! Le reste du vaisseau est juste devant. J'oublie toujours à quel point il est gros. Et si on allait dans le vaisseau, ou ce qui en reste, pour s'emparer de tout ce qu'on peut? Ont-ils bien pu diriger toute l'énergie? J'aurais pas dû. Tu as réussi à m'en occuper. Vous avez entendu ça? S'il vous plaît, un petit peu.
encombrés. Les rapports de diagnostic suggèrent que je fonctionne à nouveau de façon optimale. J'espère bien. Nous avons fait le ménage dans votre salle des machines. Fais chier. Jalon à la poubelle. Jalon à la poubelle. Je vais contrer les garbites, hein, les garbites. Regarde, sur le stream, on voit pas les... Y'a personne à l'autre? Si. Non, y'a personne en fait, ok. Quoi de neuf, l'ami? Ça a été fait rien pour vous. Ravi de vous revoir. Vous savez où me trouver. Bonne journée, gardien. Tout le monde par ici. Vous vous moquez de moi? Mais je sais pas. Ça va dans votre clan? Tout le monde est content? Mais putain, j'en ai infusé un pognon, saloperie. Que du secondaire, sale con. Venez par ici et regardez ça. J'aurais pu me donner un principal. Je me suis fait troller là. Il faut bien que je nourrisse ma famille. Tout va bien, gardien? C'est bon, circulez. Ah, pouvons-nous commencer? Je pense avoir quelque chose que vous pourriez aimer. C'est en cours. Compris. Transféré. Terminé. Si les rediffusions de l'épreuve vous intéressent, faites-moi signe. J'en connais des pas mal.
Ça me fait toujours plaisir de vous aider. Ça va? Ça devrait être pas mal. Oh, je suis jalouse. Il faut que vous entendiez ça. Que ça venait de l'âge d'or. Comme si j'allais tomber dans le panneau. Oh, c'est interminable. Mais le voyageur est dans notre camp, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Est-ce que quelque chose m'échappe? Je donnerai tout pour observer l'un de ces batteurs de l'intérieur. Ouh, ça me donne la chair de poule. Oh, je peux y arriver. Très bien. Envoyons ces dernières données. Waouh! Tout repose sur l'avant-garde. 24, 25, 26. Ça devrait faire. Tout va bien. Il faut que vous entendiez ça. On va faire un tour à la forge pour voir si je sais pas reforger. Concentrons-nous. Ah, très bien. Merde, je sais plus. C'est à quelle batterie qu'il faut mettre? Que je regarde. Stop. Non. C'est pareil. On va regarder. Elle ne bouge pas pour l'instant.
Il a peloton. Je vais le garder pour l'instant. Termine l'activité de offensive quand vous décidez de terminer tes ressources avec vos armes de souveraineté. Moi, ça, je m'en fous pour l'instant. Bon, on a dit on va en gambit. On va changer de bulle. On va passer en cryo. On va passer en cryo, comme ça, je vais continuer le cryo aussi. Ok. Je reprends. Go Gambit. Gambas. Alors. Voyons ce qui nous attend. La ruche a porté une épée. On va jouer aux méchants pour changer. La ruche est mortelle comme tous les autres. Il suffit de trouver leur point sensible. Accrochez-vous à vos specs. Préparez-vous au combat et déposez ces particules à la banque. Dégage. Au terrier.
Ah putain, je suis pas encore habitué à mon changement de touche. Avec les sables de merde, ça c'est fini. Ennemi en approche dans le centre de contrôle. Des particules, refroidissez ces bloqueurs. Intrus sur le terrain, prudence. Oh, puis il tombe là. Nique ta race. Intrus ennemi éliminé. Vous pouvez respirer maintenant. Cible importante. Détruisez-la. Portail est ouvert. Allez mettre le bazar. Votre allié envahit le territoire ennemi. Je leur avais montré de quel bois on se chauffait par ici. Mais non. Ouais, ça roule. L'intrus est de retour, après avoir éliminé quelqu'un. Chef. Lol. Chef, il s'est barré à 4h aujourd'hui. Ennemi en approche à la raffinerie. Il a fait comme les vrais chefs. Allez, bonne ronde. Bonne fin de shift. Dégage. Quoi? Dégage. C'est presque l'heure du primordial. Remplissez cette banque. Votre intrus est à terre. Et après avoir éliminé deux ennemis, grand bloqueur envoyé dans l'autre camp. Encore gagné. Écrasez ce primordial. Notre allié est dans l'autre camp. Intrus en approche. Que la chasse commence. Primordial compromis. Concentrez vos tirs. L'intrus est parti. Vous l'aurez la prochaine fois. Votre allié est de retour avec deux éliminations à son actif. C'est vous qui menez.
alliés dans l'autre camp. Ah ouais, j'ai même pas eu le temps de... Forêt. Votre allié a été éliminé, mais pas sans en éliminer un des leurs. Allez. L'intrus a quitté la zone. Sur le point de gagner, bougez-vous. Votre allié est dans l'autre camp. Un intrus, accrochez-vous. L'équipe ennemie est sur le point de gagner. L'équipe ennemie est sur le point de gagner. Bougez-vous. Primordial compromis. Détruisez-le. C'est vous qui menez. Votre intrus est de retour, avec deux éliminations à son actif. L'intrus est parti. Vous l'aurez la prochaine fois. L'équipe ennemie est sur le point de gagner. Bougez-vous. Manche terminée. L'équipe adverse a vaincu son primordial. Ennemi en approche dans le centre de contrôle. Le portail est là. Allez les regarder droit dans les yeux. Ennemi en approche au terrier. Vous perdez des particules. Tuez ces bloqueurs. Faites gaffe, vous perdez des particules. Tuez ces bloqueurs. Votre allié est dans l'autre camp. Grand bloqueur envoyé.
s'entre-opérer. Ne la lâchez pas. Votre intrus est de retour. Trois gardiens de vagues. Heureusement que vous l'avez dans votre équipe. Passez à la banque et vous invoquerez un primordial. Vous voulez gagner ? C'est comme ça qu'on fait. Le portail est prêt. N'oubliez pas votre arme. Votre allié est dans l'autre camp. J'avais invoqué un primordial. Éliminez les envoyés et réduisez-le ensemble. Une bouchée du primordial. Votre allié de retour avec deux gardiens envoyés à la mort. Surveillez vos arrières, un intrus est là. Intrus adverse éliminé. Vous pouvez souffler. Intrus adverse éliminé. Ce primordial est compromis. Balancez la sauce. Allez, ferme ça. Chez vous, trouvez-le avant qu'il vous trouve. Un peu ennemi vaincu. Ma foi, bien le droit d'essayer. Ennemi vaincu. Ma foi, ils ont bien le droit d'essayer. Non, 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 non. Ouais, non. J'ai réussi à tomber dans le trou. Compromis. Détruisez-le. L'équipe adverse a un primordial. Éliminez le vôtre immédiatement. Passez en tête. Intrus adverse éliminé. Je vais repartir en chasse. Allié a lancé une invasion. Notre intrus a été vaincu. Et de retour. J'ai chaud ici. Compromis. Concentrez vos tirs. Ce primordial n'en a plus pour longtemps. Écrasez-le et vous gagnez. Un intrus est là. Bravo, voilà ce que j'appelle chasser. Bon, jadis. Beau boulot. Ils vont parler de ce combat jusqu'à la côte enchevêtrée. Dès que j'aurai passé le mot.
Yore, qui? Re. Ton père. Ah. Re, papa. Imagine ta femme à m'entendre dire ça. Elle va se dire poser des questions. Bah, même mes fils, à mon avis. Maman! Je savais pas qu'il y avait une deuxième maman. Tu m'avais caché, papa. Ouais. C'est la dernière, je crois, normalement. Ouais, c'est la dernière. Le 7, il est déjà parti ? Ouais. Bah, j'étais parti manger, il était plus là. Il joue dans son coin. Ah non, il est en orbite. Il a un orbibite. Alors, alors, alors. Voyons ce qui nous attend. Des Vex en approche. Parions gros. Si vous capturez un Vex au lieu de le tuer, vous pourrez doubler la production d'énergie de la cité. Je dis ça. Préparez-vous à la téléportation. Rapportez-moi des particules, et je vous rendrai riche, promis. Et mais combien de temps on va se faire celui-là? Je préfère tuer. Ah, vous êtes lente, hein? Prêtresse, là. Bonsoir tout le monde. Perdez les particules. Salut. Détruisez ces bloqueurs. Salut. Heureux, hein. Voilà. Maxou. Ah, Miko. Miko le con glacé. Comment il va? Là, je suis complètement glacé. Comment il va, le con glacé? Toujours pas résolu ton problème de micro-chiotte, quoi. Il est tout glacé. En fait, si, mais en fait, le problème, c'est que je viens de voir. En fait, je viens de comprendre que. Si ça me fait ça, c'est que... Quel micro chiotte? Bah, t'entends pas l'écho qu'il a? Bah moi j'ai pas d'écho sur Miko. Ah bon? En fait, c'est quand... Je crois que c'est quand... Non, en fait, c'est quand je parle comme ça qu'il y a un écho ou un truc comme ça, non? Non, moi j'ai rien du tout, hein. Ah, t'as rien, toi? Ok, d'accord. Bah non. Il est franco, non. Hein. Ouais, y'a pas que moi qui a un écho. 7, tout ça, ils entendent l'écho. Y'a que Maxou, je crois qu'il n'entend pas plutôt. Bon, bonsoir Sophie. Salut, salut. Salut Sophie. Yo. Faites gaffe, vous perdez des particules. Tuez ces bloqueurs. Désolé pour le décalage de l'horaire, Sophie. Tu pourras épiler le kiwi de salty, c'est de sa faute. Voilà. Ouais. Non mais je lui en veux. Ah oh, mais tu as raison, de toute façon il le mérite. C'est qui est pas pu venir?
C'est Mika qui a visiblement eu un changement d'horaire pour le boulot et vu qu'il bosse en restauration. Ah ouais, c'est chaud. C'est compliqué, mais il a prévenu hier, je crois, hier dans la soirée. Donc voilà, il a prévenu. Il a prévenu. C'est tout ce qu'on demande. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. C'est pas lancé là. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit nous tout ce qu'on. Voilà, parfait. RE. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous prévienne. Tu nous préviens à l'avance si tu peux, et puis bah tu mets un petit message si tu peux pas prévenir à l'avance quand même. Histoire qu'on sache quoi. Désolé, imprévu, je peux pas venir. Plutôt que. Tu viens en raid ? Ah merde, j'avais oublié. Ça me saoule. Bah c'est chiant. Je sens personne dévisé là. Salut tout le monde. Salut. Là, ils arrivent bien. Alors, je vais faire l'appel. Baras, il est présent, je l'ai vu. Présent. Kiko, il est là. Absent. Je l'ai vu. Dara, il est là. Je suis pas là. Sophie, je l'ai vu, elle vient d'arriver. Et ben voilà. Il manque Saldi. Ah, pas possible. Il a dit 30. Il est 23. Il lui reste 7 minutes. Après, ce sera fessé déculotté. Et ce sera ouais, ce sera 25 coups de cravache par minute de retard. Ah ouais. Ah ouais, non. C'est gentil, 25 hein. Moi je rigole pas. Ah tu peux ça. Gentil 25 comparé à avant, franchement, il est sympa hein. Non, je pousse pas à l'extrême. Avant c'était un mal temporaire. Avant, c'était 50 coups de cravache par fesse et par minute de retard. Oh. Ouais, là, je suis descendu à 25. C'est chill encore. Hein. Je reviens, j'ai oublié de ranger le jambon, je t'en ai pas secoué dessus. Bah, t'as encore 7 minutes, mon grand, t'inquiète. Après, cravache. Même si t'as été présent avant, voilà. Est-ce que j'ai encore des bannières ? Bon, la journée a été bonne ? Oui. Et toi, Sophie ? Ça va. Fatigué, mais ça va. Je suis en plein dans mes cartons, Hop, heureux. Ouais, j'ai encore 86 bannières de raid, je pense que ça devrait être bon. Oh, ça va, j'en ai encore une cinquantaine aussi. Petite question dans l'équipe qui va partir en raid. Non, je n'ai pas le Taipan. Voilà, c'était la question que je voulais. Tu l'as avec les mêmes perks, Sophie ? Je pense pas, mais j'ai avec Peloton. Oui. Et Genèse. Et... Mais prends celui avec le peloton, s'il te plaît. Ah ouais. Ce sera... Link dans le coffre. Alors... Troisième, je sais pas quoi, là. Le god roll, attends, je te le donne. Il te faut alésage intégral, batterie améliorée, triple détente, peloton. Voilà. J'ai un autre Taipan, mais bon, il a des perks qui servent strictement à rien. Non, l'intérêt c'est vraiment d'avoir peloton triple détente. J'en ai loué un avec triple détente et peloton, franchement, j'ai du bol. Non, moi j'ai prêt pour le terrain frénésie d'art de Vieste. Soyez bien conscient d'une chose. C'est que le Taipan avec triple détente et peloton, c'est une arme faite dans ce rôle là en fait. C'est vraiment une arme pensée pour DPS un boss. C'est pas fait pour autre chose hein. Pour toute autre activité, il y aura plus sympa. Ouais, le gars là. Sinon, en termes d'armes, si vous voulez vous les transférer tout de suite, il va nous falloir un divinité. Donc, Franco, il est pas. Donc, je demande à ceux qui viennent en raid.
Donc, le Divinité, c'était quoi le nom déjà? Le Divinité, bah, c'est le nom de l'arme. C'est un fusil à rayon cryo-électrique exotique. Ok, bah je ne l'ai pas. C'est l'exotique du raid Jardin du Salut. Bah non, je l'ai pas. Ok. Sophie, tu l'as pas, je crois? Non. Ok. Miko, tu l'as? Ok. Bon, j'aime le transfert. Faut que Miko le prenne. Bah ouais, prends-le. On verra qui prendra le Divi. On verra ça. Pensez à prendre la xénophage aussi pour ceux qui ont la xénophage. 46. Faut que je me le refasse repop. Ouais. Ouh là là, merci la salière, dis donc. Ouais, on sera là pareil, t'inquiète. Arrête. D'ailleurs, le petit Salty est demandé à l'accueil du raid. Je répète, le petit Salty est demandé à l'accueil du raid. Quel jeu joue, Ti? Celui-là, il s'appelle Destiny 2. Et je suis en orbite. Et celui de tout à l'heure, c'était Kena, Bridge of Spirits. Pour ceux qui veulent. Donc, dès que vous êtes... Yeah, ouais, il a fini, lui, là. No. Hein, et de lâcher des ta gueule comme ça, des ta gueule sauvages. Oui. C'est honteux. Non, c'est honteux. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Ouais, étale pas ce qui se passe dans ton caleçon, ça va, on en a pas besoin de le savoir. Ouais, c'est quoi c'est... Oh là 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 là, mais il est pas sortable cet homme. Il est pas sortable. Ouais, pas dans la merde. C'est qui stream là, Miko, tu stream là? Oui. Il y a Salty aussi qui va stream, il y a Moda qui va stream, mais si vous voulez de la qualité, il faut venir sur le mien. Et l'autre. Je vais te lâcher un follow, je crois que je te suis pas. Hyper pas le nord, le cactus quand même. Hein. J'ai trop laissé ma place aux autres. J'en prenne un peu maintenant. C'est comme la chaise musicale. Je vais te faire un viewer, mais je vais regarder pour voir comment. Attention avec ça. T'es dans la liste des streams ou pas, Miko? Parce que je vois rien. C'est normalement, vie. D'ailleurs, faudra que je rajoute le nouveau dedans. Bah, je te vois pas. Si, bah, c'est la dernière vidéo en plus, Sophie. Ah oui. Me faire chier ces prêtresses. Hein. J'espère que c'est aussi robuste que vous. Bon, ramène tes fesses, Miko. Votre avis, moi, c'est... Je vais donner une précision. Merci, Sophie. Oui, Barras. Moi, c'est mon dépucelage au niveau des raids. C'est T'inquiète pas. Je vous ramène. Ils ont pris la crème. Ou bien une première fois. T'inquiète pas. Et j'espère que t'as pris des mouchoirs et surtout le... Où je te demanderai peut-être un coup de main, Franco, parce que moi, le chemin, je le connais pas bien, donc... Sur lequel? De la vie? Je vais regarder le stream de Monsieur Miko. Mais Miko, ouais, là, il est en train de farm. Enfin, il est en train de glitch, plutôt. C'est pas le moment. On part en fait. Ouais, t'as mis des petits chats comme des filles, toi. Hein, où ça? Bah, le follow de Sophie, ça a mis un petit chat en plein milieu de l'écran, là, avec... Ah bon? Ouais. Ah, oui. Bah ouais, j'aime bien, et alors? Et Zalou? C'est son côté lollipop, c'est pour ça. T'as dit ça? Non, je changerai pas, parce que je le kiffe. Bonjour, monsieur. Bon, heureux, Salty. Yop. Mec, parti.